Morgen, allez, Iden, les Usra, aujourd'hui, Elolo Nishmat, Rav Mordechai Ben Yitzhak, Vefani, et Dvora Bat Esther. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude, Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions dans le Sakhati, Vamot, Yorik, Gemel, Mishnah, Zain. Shlosha Achim, Shnaimem, Nesuin, Shte Achayot. Vechad Nasuin Nochrit, Met Echad mi Baale Achayot. Vekanayas Nasuin Nochrit, et Ishto, Vameta Ishto, Shalcheni. Vachar Kach, Met Nasuin Nochrit. Areizu asura alav olamit oil venesra alav sha'a achat. Shlosha achim, ושניים מהם נשואים שתי אחיות, ואחד נשוי נוכרית, גירש אחד מבעלי החיות את אשתו ומת נשוי נוכרית, וכנסה מגרש ומת, זו אישה אמרו וכולן שמתו או נתגרשו, צערותיהן מותרות. On continue avec les histoires des trois frères. Dont deux sont mariés à deux sœurs. Avec une nouvelle situation, je crois que c'est le dernier cas de figure sur le sujet du Pérec. Ouais, il me semble, exactement. Ouais. Donc maintenant, on a trois frères, je reprends. Reuven, Shimon et Yosef, dont deux qui sont mariés à deux sœurs. Reuven et Shimon qui sont mariés à Rachel et Léa. Et ensuite, on a le troisième, Yosef, qui est marié à une étrangère, à Osnat. Ok. Alors maintenant, on va découvrir un nouveau cas. C'est Met Echad mi Baale Achayot. Il y a eu un des deux frères mariés à une des sœurs qui est décédée. En l'occurrence, Reuven, il est mort. Et maintenant, il y a Rachel qui est reposée au hiboum devant Yosef uniquement, pas devant Shimon. Et ensuite, Vekanas Nasuin Nochrit et Ishto. Et après, celui qui est marié à l'étrangère, donc Yosef, qui est marié à Osnat, il a fait le hiboum à Rachel. Pourquoi pas? Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Umeta Ishto Shalcheni. Et après, la femme du deuxième, donc Léa, elle décède. Et après quoi? Varkach Met Nasuin Nochrit. Après, c'est celui qui est marié à l'étrangère, donc Yosef, qui décède. La Mishnah me dit Arezo Asura Lav Olamit. Voilà que maintenant, cette femme-là, elle lui sera interdite pour toujours. Oui, le Venesra Lav Shahat, dans lequel elle a été un instant interdite. Et on explique un petit peu mieux la scène. C'est pas compliqué. D'abord, vous savez que la belle-sœur, la sœur de la femme, uniquement. La sœur de la femme. Lorsque la femme décède, on a le droit de se marier avec la sœur de la femme. C'est une des rares incestes qui devient permise lorsque la cause décède. En général, prenez le cas d'une belle-mère, lorsqu'une femme décède, le gendre n'a pas le droit de se marier avec sa belle-mère. Parce qu'un interdit, il perdure. Lorsque deux frères sont mariés avec chacun avec des enfants, il y a un frère qui meurt, l'autre, il n'a pas le droit de se marier avec sa femme aussi. Mais spécialement avec la belle-sœur, la sœur de la femme, la Torah l'insistait. Béchal Achota, l'Otikar Litzror, l'Otikar Litzror, les Galot Arvata, Bechaya, je ne sais plus comment c'est dit exactement dans le Pesouk, mais c'est que quand elles sont encore vivantes que les deux sont interdites. S'ils divorcent, ils ne peuvent pas se marier avec l'autre. Mais s'il y en a une qui décède, il a le droit de se marier avec la sœur. Ok, c'est une donnée de base. Je reviens maintenant dans un cas de hiboum, j'explique d'abord le principe théorique avant de l'appliquer dans le cas concret. On a dit, la sœur. La sœur de... C'est Reuven qui est mariée à Rachel, par exemple. Et Shimon qui est marié à... Non, on va prendre... Reuven qui est marié à Rachel. Lorsque Rachel décède, Reuven a le droit de se marier avec Léa, sa sœur. D'accord? En théorie. Maintenant, on va se retrouver dans une situation un petit peu délicate. C'est que Reuven, il est marié à Rachel. Et là, il y a Shimon qui décède. Pendant que Rachel, elle est encore vivante. On va prendre le cas le plus élémentaire, à la limite. Après, on va arriver au cas de la Mishnah. Ça y est, j'ai trouvé comment je vais l'expliquer. On a Reuven, on prend un cas simple. On laissait tomber le troisième frère pour le moment. On a Reuven et Shimon, chacun qui est marié avec Rachel et Léa. Reuven décède. Rachel, elle est en théorie préposée au hiboum devant Shimon. Mais elle ne peut pas faire le hiboum parce que c'est Shimon, il est déjà marié avec Léa. Imaginez que maintenant, Léa, elle décède maintenant, pendant cette situation. 5 minutes après le décès de Reuven, Léa décède. Shimon, il va se dire, bah écoute, c'est super. De deux choses l'une. Cette Rachel, maintenant, elle est interdite à Shimon par qui? Plus personne n'interdit. Si c'est par rapport à sa femme, la sœur de sa femme, une fois que sa femme elle est décédée, elle va se marier avec elle. Si c'est par rapport à son frère il est décédé sans avoir enfant, sans avoir d'enfant, donc elle est devenue Yevama. Eh ben non, ça marche pas comme ça. Étant donné qu'au moment où elle vient en hiboum, elle peut pas faire le hiboum. Parce que pour le moment, Léa, elle était encore vivante. Ouais, on a dit que Reuven, quand il décède, Léa, elle est encore vivante, et Léa, elle décède 5 minutes après, 1 minute après, 5 secondes après, même si ça vous intéresse.
ne sont pas morts ensemble, Réhouven et Léa. Et Réhouven d'abord qui décède, Rachel qui de qui, en théorie c'est le moment de décider est-ce qu'elle est Yevama ou elle n'est pas Yevama, on lui dit quoi? On lui dit non, t'es pas Yevama parce que t'es la sœur de sa femme. T'es sa belle, t'es la sœur de sa femme. Donc t'es pas préposé à Shimon. Puisque tu n'es pas préposé à Shimon, tu n'es plus marié. Et t'es pas Yevama. Mais même mieux que ça, il y avait un troisième frère, il y avait Yosef. Et là, on commence à s'approcher du Gan Mishnah. Il y avait Yosef qui était là. Donc quand Réhouven décède, Rachel, elle ne peut pas partir se marier avec n'importe qui. Elle a encore des comptes à rendre à la famille de Jacob. Ouais, la famille des trois frères là-bas, de Réhouven, Shimon et Yosef. Puisqu'il y a encore Yosef qui est là. Et 50 secondes après, c'est Léa qui décède. Donc elle va dire, quoi, de toute façon, je suis en train d'aller d'attendre qu'il y ait quelqu'un de cette famille qui se marie avec moi. Qu'est-ce que ça peut faire maintenant? Sa sœur, elle est décédée de toute façon. Son mari, elle est décédée. Elle doit faire le hiboum avec quelqu'un de la famille d'Yaakov. Et sa sœur, elle est décédée, donc elle n'a pas trop l'année avec Shimon. On va lui dire, non, pas du tout. Puisqu'au moment où tu es devenu Yevama, tu n'étais pas apte à te marier avec Shimon. T'as plus de mitzvah de Yiboum, t'as plus de zikat Yiboum devant Shimon. De ce fait, elle pourra se marier qu'avec Yosef. Là, on n'a toujours pas commencé la Mishnah. La Mishnah, maintenant, elle va nous dire un cas un peu plus affectionné encore. Elle va nous dire même mieux que ça. Finalement, lorsque Réhouven est décédé, pour le moment, il y avait Shimon et Yosef, ils sont en vie. Shimon marié à Léa, Yosef marié à Osnat. Donc, Réhouven décède, Yosef fait le Yiboum à Rachel. Très bien. Après, Shimon, sa femme décède, Léa décède. Et après seulement, il y a Yosef qui décède. D'accord, vous avez compris le cas? Donc, je reprends encore une fois. Réhouven décède, Yosef fait le hiboum à Rachel. Yosef, maintenant, il a deux femmes. La belle-sœur de Shimon, parce qu'elle est c'est la sœur de c'est Rachel qui est la sœur de Léa. Et en plus, il y a une étrangère, Osnat. Après, Yosef décède. Et maintenant, il y a ces deux femmes qui vont venir en hiboum devant Shimon. Maintenant, devant Shimon, les deux femmes qui lui tombent en hiboum devant lui, il n'y en a plus aucune qui est une inceste, qui a un interdit de courva de proches parents devant lui. Pourquoi? Parce que de toute façon, Rachel, c'est plus sa belle-sœur, c'est plus la sœur de sa femme. Sa femme, elle est décédée depuis longtemps. Alors maintenant, en théorie, elle devrait être permise. Eh ben non, on lui interdit tout. Et Binatora, en plus de ça, il n'y a même pas besoin de faire la Khalitza, pas comme c'est marqué dans le Barthénor, entre parenthèses. Ça, c'est une autre histoire, comme ça explique tous les commentateurs. Et il n'a plus aucune... Pourquoi? Selon le même principe. Au moment où Réhouven est décédé, Rachel n'a pas eu de mitzvah de hiboum face à Shimon. Si elle n'a pas eu de mitzvah de hiboum face à Shimon, elle a pris un statut de Eshet Archelobim comme mitzvah. C'est devenu la sœur, la femme de son frère, sans mitzvah. La femme de son frère, s'il n'y a pas de mitzvah de hiboum, c'est un chiouf kamet. Elle est devenue maintenant une erva. Après, Yosef se marie avec elle. Ben, Yosef se marie avec une erva. Même si après, la cause initiale, qui était le fait que c'est la sœur de sa femme, elle a disparu. Mais puisqu'à un instant, elle s'est retrouvée Sha'achat Beissour, à un instant, pendant le moment où elle est devenue Yevama, elle n'a pas pu faire le hiboum avec Réhouven. Elle a pris un statut. Elle n'a pas pu faire le hiboum avec Shimon. Elle a pris un statut de Eshet Ach Shelobim comme mitzvah. Et maintenant, c'est devenu une inceste indépendante qui va maintenant. En plus de ça, coller son interdit à l'autre sœur, à l'autre femme, à Osnat, et de ce fait, ni Osnat, ni Rachel n'auront à faire le hiboum. Ok? Ni boum, khalitza, rien du tout. Et dernière situation avec les trois frères, après, c'est Shlosha Achim, on a trois frères, Shnaima et Nesun Shtachayot, deux d'entre eux qui sont mariés à deux sœurs, Vechad Nasun Ochit, un qui est marié à une étrangère, donc Reuven, Shimon et Yosef, qui sont mariés à Rachel, Léa et Osnat. Et après quoi, nouvelle situation. Geresh echad mi balei achayot et ishto. Un des deux frères mariés aux sœurs a divorcé sa femme. Réhouven, il a divorcé Shimon, il a divorcé Rachel. Ensuite, va mettre nasu nochrit. Celui qui est marié à l'étranger, c'est-à-dire Yosef, lui, il est décédé. Et Knassa à Megaresh, et ensuite, Réhouven qui a divorcé sa femme. Maintenant, il se marie lui avec Osnat, et maintenant on va mettre. Et après, Réhouven décède. Vous avez suivi la situation, elle est très simple. Je reprends Réhouven, Shimon et Yosef, qui est marié. Réhouven divorce Rachel,
Et pendant ce temps, c'est Yosef qui décède, il reprend sa femme, devient Osnat. Il s'avère que Osnat, elle ne s'est jamais retrouvée en situation d'être une co-épouse avec Rachel, puisque Rachel elle a déjà divorcé auparavant. Lorsque Reuven va finalement décéder, eh ben, Shimon va pouvoir se marier avec la femme de Reuven, Osnat en l'occurrence, se marier avec elle, parce que ça n'a jamais été la Tsara Terva, ça n'a jamais été une co-épouse d'une inceste. Zoïch va mettre, donc va mettre, et il est décédé, et Reuven, Zoïch Amo, c'est sur ce cas pareil qu'on a dit, et Vekolan Shemletou, que tous ceux qui sont finalement décédés au Shinit Garjo, qu'ils ont divorcé, et qu'ils ne se... Alors selon la Bien Misha, il y a des grandes discussions sur ça, mais on va arrondir un petit peu, que Vekolan Shemletou, dans les cas de situation où les, cas de, où les femmes qui étaient des proches parents des incestes, interdits par inceste, sont décédées ou ont été divorcées, et qu'elles ne tombent pas en hiboum devant l'autre frère, devant le autre, Tsaroten, Motarot, leur Tsarot, leur co-épouse, vont devenir permises à faire le hiboum. Donc en l'occurrence, je reprends la situation très rapidement. Reuven, Shimon, Yosef. Reuven divorce Rachel. Yosef décède. Osnat vient en hiboum chez Reuven. Reuven décède. Shimon peut se marier avec Osnat parce que Osnat n'a jamais été co-épouse avec Rachel étant donné que Reuven avait déjà divorcé Rachel au moment où Reuven décède. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov.